Bonjour à tous, je vais vous lire une nouvelle histoire qui s'appelle « Il y a un alligator sous mon lit ». Il y a un alligator sous mon lit. Quand je vais me coucher, je dois faire très attention. Parce que je sais qu'il est là. Pourtant, dès que je me penche pour le voir, il se cache. Alors, j'appelle papa et maman. Ils viennent dans ma chambre, mais ils ne voient rien du tout. Je dois donc résoudre tout seul ce problème d'alligator. Je descends dans la cuisine pour choisir des appâts. Je remplis un grand sac en papier de choses que les alligators aiment manger. Dans le garage, je dépose un sandwich au beurre de cacahuète, des fruits et de la tarte aux pommes. Je sème des biscuits au chocolat dans le hall. Et sur chaque marche de l'escalier, je dépose un légume frais. Juste à côté de mon lit, je mets une bouteille d'orangeade et des bonbons. Puis, j'attends. Le voilà! C'est lui! Il va chercher à manger! Je me cache dans le vestiaire. Puis, je le suis jusqu'en bas. Et aussi dans l'entrée. Il traverse la cuisine et se faufile dans le garage. Vite, je claque la porte derrière lui et je l'enferme à double tour. Voilà, je peux retourner me coucher. Il ne reste pas la moindre miette à nettoyer. Mais maintenant,
il y a un alligator dans le garage. Je me demande ce qui va se passer quand papa voudra prendre la voiture demain matin. Mieux vaut lui laisser un message. Cher papa, il y a un alligator dans le garage. Si tu as besoin d'aide, réveille-moi. Attention, danger !